par rapport à, au track sur une compile Cocoon qui va sortir, tu avais déjà sorti quelque chose chez eux il y a 10 ans. Ça s'est passé un peu comment? Parce que comme tu étais un peu sorti de la scène, et ça on en reparlera. Mais en fait, comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sven Vatt, il a acheté mon disque dans le Transmat, le premier Transmat dans un magasin. Il l'a acheté. Il va dans les. Il fait les magasins de disques, okay. Tout à fait. Une fois, deux fois par semaine, en milieu de semaine, il va. Il a ses habitudes, okay. En fait. Donc, on lui met des disques de côté, il écoute des disques, malgré le fait qu'il en reçoit beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qu'il aime faire, c'est d'accord. Aller faire les magasins, quoi. Ouais. Voilà, bon, ça, c'est top, quoi. C'est génial. Et donc, du coup, il a joué mon track Nightflow à Ibiza la saison dernière. Et il a inclus le Nightflow sur sa compilation Ibiza des 15 ans, quoi. D'accord. Chaque année, il sort les morceaux qu'il a joué le plus à Ibiza. Et donc, du coup, ça a reconnecté, en fait, avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que après, je lui ai envoyé des morceaux et puis ils en ont choisi un pour la compile. Et ils en ont choisi deux pour le futur EP au mois de novembre. Voilà. Ah d'accord. En fait, c'est le Transmat qui a déclenché le retour en fait sur Cocoon.